Mercredi 20 juillet 2022. Nous avons l'autre fois encore, frères et sœurs, nous dit l'Éternel merci. Nous rencontrons dans le rendez-vous, dans le même travail là. Que le Saint-Esprit de Dieu capable de rester avec nous, rester avec nous. Que l'Éternel capable de déverser grâce à la miséricorde dans la vie de chacun de nous. Allons prier l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, maintenant Sauveur. Merci pour amour, merci pour faveur, merci pour puissance. Merci l'Éternel, Papa, pour bonté ou manifester envers nous. Vous permettez nous encore rencontrer notre travail là. Merci pour le travail là. Frère Boubé Aristide, dans moi avec toute famille. Et madame ni maman, papa, le petit lio, activité. Dieu en a texte financier service, dans mon l'Éternel, Papa. Jesus Compay Roofing, le groupe Sabios, nan mon l'Éternel. Nan la gen nan mon Sermonet, nan mon Massa, Pasteur Fritz Noël, et nan la gen nan mon, nan occasion sa, Frère Ludé, Frère Los, Frère Toussaint, Frère Légem, Frère Sonny Gabriel, Frère Lixon, Frère Wilfen, Frère Jules Mist, Frère Février, Frère Richemont, Fiel Edmond, Fiel Enid, nous l'avons dans mon Dieu Tout-Puissant, nous l'avons tout côté situé dans mon pour répandre grâce dans la vie, parce que c'est où tout pouvoir l'Éternel, Papa. C'est Ousine, c'est Yol, c'est Evanita, Frère Serge Limbonnet, Frère Serge Rinol, Frère Serge Mitan, Frère Serge Asselom, c'est Jodel, au qu'on est à santé. Dieu Tout-Puissant, et non la gué, c'est Wislad, et frère et sœur Oni Parmelus, non la gué, dans mon frère et sœur Maï, frère et sœur Kiki, papa m'na, non m'en dovo et Jésus, parce que c'est vous-même qui gagne solution, c'est vous-même l'Éternel, Paul l'a dit, rien n'est impossible à toi. Aux hommes, cela est impossible, mais à toi, rien n'est impossible. Donc, nous voulons quoi? Nous voulons continuer quoi? Que rien n'est impossible à toi, cher Seigneur. Et si avec toi, rien n'est impossible, c'est sûr que va permettre l'Éternel, Papa. On arrive en bon port. Nous avons dit que c'est Jonas et c'est Daïva. C'est Gladson, alors frère, c'est Gladson, frère, c'est Jimmy, tout le monde, l'Éternel, Papa. Frère, c'est Dieu. Nous avons tous les frères et sœurs qui pluguent sous étudio, différents groupes de tous côtés. Nous avons tous les frères et sœurs qui nous bénis, qui nous glorifient. Frères et sœurs, chers amis, dans la dernière étude biblique, nous avons eu une chance, nous avons fait. Nous avons eu que côté. L'Éternel t'a montré dans l'étude là que race Israël là et yo pral rive non degré alors dans chapitre 31 côté que l'Éternel pour aller pardonner péché yo. Li pape songe du tout ça ou te fait qui pas bon. Donc l'Éternel a réconcilié avec yo. Et nous te bon toute explication en ce sens. Et nous te wè tout. Dans l'occasion ça à côté l'Éternel te dit c'est lui même qui verse soleil yo. Et lui même qui fait terre, c'est lui qui permet tout bagay à fonctionner normalement. L'en mer, tout bagay, c'est lui qui permet ça. L'el dit en bagay, ça le dit assez ça. Vous comprenez? L'el dit en bagay, ça le dit, c'est ça, c'est bon parole. La paix voye monter, mais ça le dit, c'est exactement ça. Alors, et li a peut parler, non pas li à partir du verset 36. Côté lui dit si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race Israël aussi cessera
pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi par l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je jetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Non, lit seulement deux versets, ça, frères et sœurs. Oui. Non, lit seulement deux versets, ça, côté parole l'a montré. Là, que. Et. Nous connaissons tout principe. C'est l'Éternel qui baille. Tout loi, si vous permettez-moi de dire ça. C'est l'Éternel qui baille. L'Éternel dit six principes, ça aussi. Loi, ça a été cessé devant. Race Israël a cessé d'être une nation devant. Mais toutefois, principe, ça a pas cessé. Mais pas gagné tout. Kapé cessé. Ça a disposé. Vous comprenez? J'en dispose, c'est comme ça s'habille. Alors, et frères et sœurs, chers amis, l'Éternel et parole l'Éternel yo principe yo son bagay qui l'a éternellement, ça veut dire son bagay qui l'a pour tout temps. Si par exemple parole l'Éternel yo principe l'Éternel yo c'est ton bagay qui l'a pour un jour, pour deux jours. Mais on t'a dit finalement, et l'Éternel t'a suspend l'amour t'a suspend exister pour Israël. Les noms dit pour Israël, je veux comprendre, puisque il était une alliance qu'il était fait avec Israël. Vous comprenez bien? Et alliance qui était signée avec Abraham, Isaac, Jacob. Vous comprenez? Donc, ça vous tape suspendre. Vous comprenez? Ça vous tape suspendre exister. Mais l'éternel, pas changer. Alors, c'est ça que fait frères et sœurs, les non-gardés là. Et les dit, là, dans Paul là, si les cieux en haut, pas capable de mesurer. Si fondement la terre en bas pas capable sonder, alors il dit je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Alors si ciel est en haut tu es capable mesurer, si fondement la terre tu es capable sonder, laisse ça, yo t'a dit la carité Israël. Mais comme ciel yo pas capable mesurer, hein, il dit l'amour pour Israël pas pécham diminuer. L'amour pour Israël pas pécham diminuer. Alors c'est ça frères et sœurs, les non comprendre là. Et il dit et à noter frères et sœurs, nous même nous comme ça, donc on est Israël te fait pile bagaille qui pas bon. Mais l'amour l'Éternel dépassé ça Israël te fait à. Ça Israël fait contre l'IA. Dépassé et donc lui-même lui voulait continuer avec alliance avec tout appel. Alors frères et sœurs, wa dim ki moun ki capable mesurer ciel yo, ki moun ki capable sonder profondeur la terre. Son façon pour montrer que l'Éternel pas jam rejeté. Hein, si vous permettez-moi de dire ça, pas jam rejeté Israël. Parce que l'amour l'Éternel son bagay éternel. L'homme gen bagay l'homme ka fè. Gen changement ki ka fè nan l'homme. Mais c'est pas nan l'Éternel changement pou al fè là. Vous comprenez? Et pas nan l'Éternel changement pou al fè là. C'est nous-mêmes l'homme n'a pas abandonné, n'a abandonné l'Éternel. Vous comprenez frère Angelo? C'est nous qui a fait ça, mais c'est pas l'Éternel qui a fait ça. Vous voyez, parce que parole l'Éternel, l'Éternel respecte parole li à la lettre. Et nous, à l'époque, nous avons vu là, n'importe si contrat on nous fait avec nous, il n'y a pas en mesure pour respecter.
Maintenant, l'Éternel dit pas comme ça y est. Ouais. Il va comme ça y est dans l'Éternel. Alors, parole là, dis-nous là. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Ça, c'est verset 38 là. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Depuis le tour de Ananéel jusqu'à la porte de l'angle. Là, l'Éternel, ça cap dit à la, frères et sœurs, de préférence, c'est pour montrer tout ça cap privé, tout ça y a dit, yo. Ah ben bon, gen l'autre bagay, gen bagay qui pral rive, gen bagay que l'Éternel a pu faire, gen bagay qu'a privé fait, on voit, et là li dou la, on voit, et villa gen pou le rebâti, villa gen pou le rebâti, on dit la rebâti sous de nouveaux fondements. Si vous permettez moi de dire comme ça. Ville a bien pour le rebâtir sous de nouveaux fondements. Hein? Fondement côté qu'il va pas le finir encore. Bagaille durable. Hein? Et l'en a prendre dans contexte juif là. Alors contexte juif là. Ville a bien pour le rebâtir selon contexte juif là. Mais l'en a prendre frères et sœurs selon contexte et eschatologique là, frères et sœurs, selon contexte eschatologique là, non capable dire qui ça et ville ça symboliser, ce n'est pas une ville terrestre, c'est une affaire purement spirituelle lorsque l'Éternel vient pour le rétablir, rétablit toute chose. C'est pas une question de Jérusalem terrestre. C'est un bagage super extraordinaire, frères et sœurs. Hein? C'est un bagage super extraordinaire. Bagage qui va aller pour arriver, qu'à arriver. C'est un bagage super extraordinaire que l'Éternel lui-même, que l'Éternel lui-même pour aller faire, frères et sœurs. Hein? L'Éternel dit que villa li même li gen pour le rebâtir à l'honneur de l'Éternel, à l'honneur de l'Éternel sous de nouveaux fondements, et fondements qui dignes vraiment de ville de l'Éternel. Alors les répéter là n'a toujours parlé de la nouvelle Jérusalem et des cités de Dieu, etc. N'a tendé à parler et à parler de cela. Alors, la parole de Dieu dit, dans verset 39 là, le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareth et fera un circuit du côté de Goat. Alors là, c'est villa, oui, mesure villa et limite li, hein, mesure villa, limite villa, côté que il a pas parlé là, côté que toute bagaille ça au gain pour y refait sur de nouveaux fondements, travail ça au cap fait là. Donc frères et sœurs, à nous comprendre effectivement qui ça cap dit là, côté que l'Éternel dit, parole l'Éternel l'a dit que et l'Éternel dans temps eschatologique là, on veut entrer dans tête ou dans temps eschatologique là, ville là gain pour reconstruire. Normalement avant époque eschatologique là, donc on est ville Jérusalem là et li reconstruit déjà et li gain pour le reconstruire encore. Après ou te sorti à Babylone, li te reconstruit. Et bi ville là te reconstruit, li t'a pas écrasé dans l'an 70 sous l'empereur Titus d'Espadier, tout monsieur ça yo, et nous gain yo vin li vin krasé jusqu'à présent le poko reconstruit. N'ap tan tan yo ap vini, époque qui a passé, événement a passé, on prend événement après événement a passé, ouais, jusqu'à ce que
et frères et sœurs que nous pral arriver et c'est très important on va arriver dans l'époque pour les reconstruire encore la reconstruire mais reconstruction ça c'est reconstruction physique n'a pas parlé là mais dernière construction t'a parlé là l'aime parler de eschatologique là hein c'est très important l'aime t'a parlé eschatologique ça c'est reconstruction purement spirituelle que m'a parlé non là hein toute la vallée des cadavres et de la cendre tous les champs jusqu'au torrent des Cédron jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Non ouais frères et sœurs, avait dit là Paul cap dit à là non ouais non pas sous la terre. Vous comprenez frères et sœurs? Côté non y a là, côté non y a là non pas sous la terre. Hein? Non n'ayons l'autre monde non pas sous la terre frères et sœurs. Côté là il a expliqué non les toute zone ça y est la vallée et des cadavres et la vallée de la cendre tous les champs jusqu'au torrent de Cédron jusqu'à l'angle de la porte et des chevaux à l'Orient seront consacrés à l'Éternel là faut nous frères et sœurs c'est pas un bagage Chanel qui a parlé là c'est non phase eschatologique une phase purement spirituelle. Et l'Éternel dit là, et ça pour permettre de comprendre ça, oui, frères et sœurs, parce que dernière partie dans verset 40, là, il dit, et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Alors là, si je n'ai pas de explication là, je n'ai pas de carrière à comprendre bien, mais là, on prend le temps de que fondement vide là, tout bagage qui va te faire, il n'y a pas de détruire encore. Il n'y a pas ni renversé ni détruit. Et que tu as vu comprendre que c'est pour un bagage, non pas sous la terre encore. D'ailleurs, Jésus-Christ, de sa propre bouche, il te dit pas de roche qui a prêté sous roche qui n'a pas détruit. Pendant que sous la terre, pas de roche qui a prêté sous roche qui n'a pas détruit. Donc, si tu as vu la vie de Paul comme ça, ça veut dire non, l'autre monde. C'est dans l'autre monde là même, frères et sœurs, que moi-même avoir pour nos travail, pour nos rivières, ah oui, dans l'autre monde là. Dans l'autre monde là même frères et sœurs c'est là moi même avoir pour nos travail pour nos rivières et frères et sœurs dans l'autre monde là dans l'autre monde là c'est là même moi même avoir pour nos travail pour nos rivières dans l'autre monde là parce que laisse ça pas gain toute bagaille n'a pas rencontré là toute douleur n'a pas rencontré non pas rencontré encore toute tribulation ça yo non pas rencontré encore on prend les notre traverser dans l'autre monde là c'est la même frères et sœurs c'est là nous voulons tout le monde comprendre n'a traverser dans l'autre monde là c'est la même frères et sœurs c'est là nous prend traverser dans l'autre monde là dans monde que l'Éternel est décidé pour nous même c'est là donc à nous passer à nous accepter les tribulations nos frères et sœurs. Nous voulons répéter ça, nous accepter les tribulations, nous accepter les misères, nous accepter les situations angoissantes, nous accepter tout problème, toute difficulté qui est sous la terre. Il faut que nous acceptions pour nous traverser l'autre bord, frères et sœurs. Ça va finir, nous traverser l'autre bord. L'autre bord, mon nom, tant que Jean-Paul l'a dit, l'autre bord, mon nom, nous arrivons l'autre bord, mon nom, toute douleur, toute tribulation, tout problème, pour le finir. Oui, frères et sœurs, tout problème, toute tribulation, tout problème douleur, ça va pour finir, là, nous traverser l'autre bon monde. C'est pour nous accepter les problèmes, les difficultés. Alors, c'est fin chapitre 31, on fait résumé. Depuis le commencement, ça, l'Éternel te dit, et je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Depuis le commencement, chapitre là, les que yo pral pardonner les que Israël pral réformer l'Éternel dit a trouvé grâce dans le désert et peuple là qui yo t'a maltraité peuple là qui t'a marché sans repos li pral joindre repos l'Éternel pral vin manifester la veille de l'amour Éternel et l'Éternel dit l'a conservé bonté là dans nous connaissons gros verset ça oui et que nous venons dans Jérémie chapitre 21 de loin l'Éternel se monte à moi. J'aime d'un amour, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Hein? Non, t'es ouais ça,
Et l'Éternel dit, l'a rétabli encore, vieille d'Israël. Il a bien un son de tambour, tout bagay pour lui vivre encore. Et dans l'occasion ça, et pour aller des danses, yo pour aller planter, yo pour aller construire, etc. Toute ville yo pour aller rétablir. L'Éternel dans même verset 7 là, dans verset 7 là il dit pour lever pour monter à Jérusalem vers bon Dieu, pour pousser des cris de joie, éclater d'allégresse, des cris de louange parce que l'Éternel délivre yo en bas oppresseur. Même Eodola, jeune femme, jeune garçon aux extrémités de la terre, les boiteux, les aveugles, tout le monde sa yo, pour aller pousser des cris de joie. Hein? Parce que l'Éternel a levé au probio. Tout le monde a tourné la caille. Frères et sœurs, c'est très important. Tout le monde a tourné la caille dans la joie, dans le cri d'allégresse, frères et sœurs. Lorsque l'Éternel dit qu'il va le faire retourner, il a délivré Israël, délivré Jacob, et noté, finalement, l'Éternel était tenu droit sur la demi-tribu de Manassé. L'Éternel était tenu droit sur la demi-tribu de Manassé, frères et sœurs. Dans l'occasion, ça, côté que l'Éternel t'a montré avec demi-tribu de Manassé, et alors de la demi-tribu d'Ephraïm de préférence, la demi-tribu d'Ephraïm, côté que li bayon l'on prophétie de yo même, li parle de yo même, parce que yo même tout, et pas oublié, m'te dou Manassé et Ephraïm, c'était deux petits garçons, Joseph yo, le yo parle là, et d'Ephraïm là. Yo tout yo te égaré loin de la face de Dieu, et l'Éternel t'a montré que li pral reformer yo tout bagay sa pral vin sous base yo, etc. Note wè ça frères et sœurs. Donc nous arrivé nan moment pour nous finir, nous pas voulez traverser dans l'autre chapitre, et nous voulez finir avec 31, là nous pral traverser pour nous traverser dans 32e chapitre là. Donc l'Éternel pour aller reconstruire, pour aller faire toute bagaille pour le bien de l'évangile là. Alors c'est la napérité 41 20 74 33 36 76 58 73. C'est ça mon pasteur parmi les qui encourage en aucun pied bon Dieu, en aucun pied bon Dieu, en aucun pied bon Dieu, que bon Dieu bénisse chacun de nous.